a été beaucoup visité, il y a beaucoup de gens qui ont des souvenirs. Quand ils vont revenir aujourd'hui, c'est un musée complètement différent qu'ils vont trouver. La lumière qui entre, ces grands volumes, relativement dépouillés dans ces parties d'accueil en tout cas. Et si on se souvient de comment c'était il y a 3 ans, avec ce plafond qui masquait complètement la vue sur la verrière quand on était à ce niveau, on se rend compte qu'il y a eu quand même de gros travaux réalisés. Donc là, on arrive sur le plancher qui sera le futur atrium d'accueil de tout le musée de l'Homme. Donc le plancher, on voit ici en contrebas l'ancien hall d'accueil. On pourra monter ici par les escaliers de Carlu conservés, par des ascenseurs qui viendront nouveaux qui viennent irriguer ce côté-là. Et le plancher qu'on a au-dessus va être démoli de manière que cet atrium bénéficie de l'arrivée de la lumière et de la vue sur la verrière de Daviou. Et c'est ce cœur de verre, de métal qu'on va donner à voir dès l'entrée dans le musée, c'est-à-dire là où nous sommes. C'est vrai que le musée de l'Homme, il se refonde autour de l'anthropologie et de la préhistoire pour raconter une histoire de l'Homme, une histoire de l'évolution de l'Homme en tant qu'espèce, mais aussi sur les sociétés humaines. Voilà, c'est ça notre propos maintenant. Ouais. C'est bon ? Le musée de l'Homme, déjà en 1937, était le plus moderne du monde et ce concept reste essentiellement moderne. Alors en fait, le gros travail de recherche se fait dans les réserves et pas aux yeux du public. Malgré tout, les résultats de cette recherche doivent être transposés dans un contexte de pédagogie et puis un certain nombre des pièces essentielles des réserves pourront être montrées. On a prévu ce dispositif de volée d'escalier, à mi-parcours du visiteur, qui permet, grâce à ce grand plateau de mezzanine, eh bien, de faire étape dans la visite et de reconsidérer le parcours qu'on a déjà établi au regard de celui qui reste à faire. Et on profite de ce grand plateau pour remettre non seulement le visiteur en relation avec la muséographie, avec les collections qu'il vient de visiter, mais aussi avec toute la ville de Paris grâce à ce panorama exceptionnel qui nous est offert sur la capitale. Ici, la Vénus de Lespugue est probablement l'une des représentations les plus exceptionnelles qui soient de ce modèle esthétique. Il s'agit d'une œuvre presque cubiste. C'est une figurine qui date de près de 25 000 ans et qui relève d'un modèle esthétique, d'un modèle formel tout à fait différent de celui du Magdalénien, donc beaucoup plus récent. La Vénus de Lespugue est plus ancienne et elle a ses formes très caractéristiques des Vénus dites stéatopiges du Gravettien, de l'époque dite gravettienne. Nous vivons sur un acquis qui représente toute l'humanité et cet acquis a été évidemment étudié depuis le 19e siècle avec à chaque fois les méthodes du temps. Et les deux grands développements actuels des études de squelettes, c'est d'un côté l'imagerie, tout ce qui est scanner et représentation tridimensionnelle, et d'un autre côté, tout ce qui est plateau technique, analyse d'ADN ancien, isotopes, biologie moléculaire. Tout ça, ça nous a appris en quelques années énormément par rapport à ce qu'on savait déjà.
Ce qu'on fait ici, essentiellement, ça ressemble un peu à la photographie. C'est-à-dire on a des appareils qui sont composés de plusieurs caméras qui prennent des images sous différents angles. Et donc, le spécimen se trouve sur un plateau tournant, fait un tour complet. Et à la fin du tour complet, on a toute une batterie d'images que l'ordinateur va composer, réarranger pour en reconstruire un modèle 3D complet. On arrive à mesurer des choses qu'on ne peut pas faire sur le vrai. On le fait avec beaucoup plus de précision et donc on arrive à comparer des crânes comme Cro-Magnon et Néandertal de façon plus complète, plus précise, plus objective aussi. Et ces mesures ensuite seront exploitées par des outils statistiques pour mieux nous expliquer en quoi se distinguent par exemple Cro-Magnon et Néandertal et à qui parmi tous les fossiles que nous connaissons il ressemble le plus, un peu dans l'espoir de trouver éventuellement leur ancêtre commun. Les premiers travaux de génétique sont ceux qui ont permis de démontrer formellement que Cro-Magnon, c'est-à-dire Sapiens et Néandertal, étaient cousins et qu'on ne descendait pas de l'homme de Néandertal. La génétique a démontré formellement qu'on vient d'Afrique, en Europe et en Asie, on est sorti d'Afrique il y a environ 70 000, 100 000 ans. L'idée justement du musée laboratoire, c'est que ces recherches puissent être assez vite rendues accessibles au public. Et pour ça, on a dans le musée conçu spécifiquement un endroit pour ça qui s'appelle le Balcon des Sciences, qui est d'ailleurs un endroit magnifique, et où l'idée c'est de pouvoir régulièrement actualiser très rapidement pour faire une partie d'actualité scientifique. Le plancher que nous avons démoli était à cette hauteur, donc il y avait un escalier qui descendait vers la tour Eiffel, là, vers la vue sur la tour Eiffel, et nous avons recréé cette proportion qui est meilleure. C'est ce coup-là qu'il fallait jouer, où on est à la fois dans une architecture monumentale, et où à l'intérieur de cette architecture monumentale, de manière comment dire, réversible, hein, il fallait installer un mobilier. C'est comme ça qu'on a inventé cette forme d'élytre, comme ça, en bois, comme une double aile qui protège, comme dans un tunnel, un mobilier et qui va recevoir les objets en exposition, des dispositifs repliables ou escamotables sur ordinateur pour qu'on puisse voir toutes les nouveautés du musée, etc. Alors, l'ethnobiologie, l'ethnoécologie, c'est l'étude des relations entre les sociétés humaines et leur milieu naturel, comment elles connaissent et comment elles utilisent les éléments du milieu qui les entoure. Un des épisodes qui m'a frappé, c'était en allant au Nouveau-Mexique, à Albuquerque, pour un colloque. On avait visité les zones touristiques, comme on fait toujours, et il y avait des vanneries. Les Indiens, les Amérindiens du Nouveau-Mexique, ont besoin des paniers pour faire leurs rituels, pour leurs usages internes, d'une part, d'autre part, pour les vendre aux touristes. Et comme peu d'artisans sont encore capables d'en faire, et ceux qui sont capables d'en faire les vendent très cher, donc c'est hors de portée pour tout le monde, donc ils ont trouvé le moyen d'envoyer les motifs et la forme des paniers dans des pays où les vanniers sont encore extrêmement actifs, comme en Asie du Sud, au Pakistan, et leur faire faire des paniers amérindiens qui reviennent donc au Nouveau-Mexique et qui sont utilisés localement. Donc ça, c'est un bel exemple de la mondialisation. Donc il ne fallait pas qu'on ait l'idée d'un cul-de-sac, au fond. Et ce petit dispositif, à la fois de repos entre deux, et puis aussi d'exploration de l'espace, permet de faire un aller-retour très fluide. Donc ici, on quitte la mezzanine et on arrive au deuxième niveau d'exposition. Ce qui est intéressant à voir ici, c'est que pour faire cette percée avec ce double escalier,
eh bien, il a fallu suspendre tout le plancher haut ici est suspendu, et ça va servir aussi à la muséographe à suspendre un ouvrage assez lourd qui est destiné à supporter des bustes et qui va s'accrocher au plafond. Je me souviens, le premier contact, il est vraiment très important. Et ce premier jour, c'est le jour où on va visiter les réserves. Et je regarde émerveillée la collection de squelettes, je regarde émerveillée les salles de préhistoire avec tous ces cahiers. Voilà, il fallait, avec tout ça, garder un regard très, très ouvert, très, très pur pour dire, pour garder une énergie. Ce qu'on organise, nous, c'est la manière dont les hommes, les femmes, les enfants vont se promener et vont déambuler et dans cet espace. Comment ils vont se pencher, comment ils vont accélérer, comment ils vont reculer, comment ils vont s'arrêter, pourquoi ils vont tourner la tête comme ceci, comme cela. Dans un ouvrage, quasi un ouvrage, sculptural, très, très artistique. Et cette structure va nous servir à exposer les 86 bustes de la collection anthropologique. De la porte. Tu le rapportes ? Ouais. Oui. Tu vas ? Tu vas de face ? Ouais. Tourne sur la gauche. Bon alors c'est fini cette installation ? Ah voilà. Super ! On ferme ? Ouais, on a fini. Donc il y a eu tout un travail de tricotage sur présenter les collections, ce qui est important, les mettre en valeur, et également faire passer un discours que les scientifiques souhaitaient faire passer. Donc tout notre travail, nous, c'est de tricoter avec ces collections, ce discours, mais également l'ensemble de la panoplie des supports aujourd'hui contemporains de la muséographie, que ce soit du multimédia, des jeux éducatifs, des manipulations, pour aussi répondre à la deuxième contrainte de ce musée, c'est-à-dire l'idée, c'est quand même que ce soit un musée pour tous, que ce soit de l'amateur averti, du public familial, des groupes scolaires. Il faut penser aussi tout le temps au public qui va venir dans sa variété et lui offrir tout au long du parcours des éléments qui vont permettre que sa visite soit une réussite. Alors là, c'est une vitrine qui est assez caractéristique du propos qu'on veut tenir. On est encore dans la partie sur le néolithique. On est dans la section numéro 2 qui est « D'où venons-nous ?» Et à la fin de la section « D'où venons-nous ?», il y a évidemment la transformation des animaux et des plantes par la domestication et la transformation des paysages. On fait un semi-saut dans le temps puisque cette vitrine permet de faire la continuité entre moins 3000 avant Jésus-Christ et puis à aujourd'hui. Donc il y a cette vitrine intermédiaire. Et après, on arrive effectivement en 2014 et vers le futur et on pose plusieurs questions. Dans un monde mondialisé, globalisé, où tous les produits circulent, on est en relation téléphonique avec le monde entier, est-ce qu'on va tous devenir pareils ? Et donc on montre que non, parce que l'homme est fait pour recréer de l'identité, il recrée une différence entre son groupe social et celui du groupe social des voisins. Donc le but de ce musée, c'est pas de donner des réponses, mais c'est d'inciter nos visiteurs à prendre conscience de là où on est et de réfléchir sur leurs propres activités, leurs propres comportements. C'est très bien. Ouais, c'est très chouette. Puis là, ça fait vraiment, vraiment os, je trouve, ça fonctionne bien. Je ne l'ai pas vu déballer, tu l'as vu déballer ? Non, je ne l'ai pas vu non. déballer. Bah, tu ne vois pas qu'il l'ait déballé ? Non. Ils ne sont pas très différentes les unes des autres. Ils auraient pu aller dans c'est plus différentes. Voilà. Jusqu'à juste qu'ils ont bien verni. Ouais, parce que des gens ne vont pas... On verra si avec lui ils reviennent, parce qu'ils vont revenir déballer puis installer l'autre. Oh, j'ai hâte de voir l'autre. Ouais. Quel travail accompli entre ce qu'on avait commencé à penser au début à quelques scientifiques et de voir après le grand nombre de scientifiques qui nous ont rejoints dans ce projet et la synthèse de toutes les pensées de tout ce que souhaitaient présenter ces scientifiques et après leur transcription en muséo, donc en
je dirais, en un parcours d'exposition, une histoire racontée aux visiteurs. C'est vraiment extraordinaire d'avoir vu tout ce travail. Je pense que j'avais ma place pour ça, parce que je suis impliquée dans le projet depuis très longtemps. Et puis aussi parce que je pense que les recherches que je mène avec mon équipe d'anthropologie génétique montraient bien comment tout ce qui est culture et biologie interagissent. Et c'est quand même un des thèmes forts qu'on développe dans l'exposition permanente du Musée de l'Homme. C'est une grande joie aussi que de revoir le public entrer à nouveau dans ce musée, s'approprier les contenus, en faire son musée. Ça a été vraiment un grand moment après 6 années de fermeture, un peu plus de 6 années de fermeture, puisque le musée a fermé en mars 2009. C'est un musée qui aurait pu disparaître et qui finalement renaît, se réinvente autour d'un nouveau projet et qui retrouve sa place. C'est ça qui est aussi une grande satisfaction aujourd'hui, qui retrouve sa place dans le milieu des musées et auprès de son public, qui est une place originale, très spécifique en fait, celle d'un musée de société, un musée de sciences et de société à la fois, un musée laboratoire, donc avec tous ces chercheurs qui irriguent le contenu et qui permet de s'interroger sur ce que c'est qu'être humain, de comprendre aussi nos origines. On sait que cette histoire des origines de l'homme, elle s'écrit en permanence, puisque les découvertes de la paléoanthropologie ne cessent pas. Et puis, de se questionner aussi sur notre avenir, sur notre devenir, sur celui des sociétés humaines.